Et bonsoir camarades, salut, bienvenue sur ce petit live ou sur cette rediffusion si tu regardes la rediffusion du live. On va continuer notre petit let's play sur Valheim, un jeu fort intéressant. Ça fait 2 jours je crois que j'ai pas joué et du coup ça m'intéressait de revenir dessus même si je suis très fatigué. Je préfère le préciser maintenant. Le week-end a été bien rempli, donc on va jouer un petit peu. On avait pu fondre les minerais et on n'avait toujours pas pu poser la forge. Donc du coup, on va poser la forge. On va essayer de se forger 2-3 outils et après je pense que je vais aller au lit. Minotox, bienvenue à toi camarade. Salut, installe-toi, ça fait plaisir de te retrouver. Et comment je vais? Bah écoute, ça va. Motivé à revenir sur le jeu. Très impatient, même si je crois que je ne vais pas tenir très longtemps parce que je suis vraiment claqué. Et toi, comment tu vas? Tu vas rester avec nous un petit peu ou tu as cours demain, je présume? On va commencer tout de suite, hein, les gars. C'est parti. Plaisir de te retrouver en tout cas, Minotox. Je vois que tu rates aucun live, c'est super appréciable. Alors, yep, ça va super. Et non, t'en fais pas, je suis en vacances, donc je suis libre. Et oui, c'est vrai qu'il y a les vacances, j'avais complètement oublié ce petit détail. Bah écoute, profite alors. Alors, tu vas pas profiter très longtemps ce soir. J'insiste, hein, je pense que je vais essayer de me raisonner en tout cas et je vais pas rester très tard. Ce serait bien que je me repose. Par contre, ce qui était prévu, c'était de live sur Valheim demain soir. Je vais avoir un peu plus de temps parce que je ne travaillerai pas mardi. Donc la reprise principale de Valheim, c'est demain soir. Donc demain soir, si tu es présent, à mon avis, il y aura beaucoup plus de contenu que ce soir. Mais voilà, je n'étais pas totalement fatigué. Je pense que j'ai une petite heure, 1h30 devant moi. Donc je me suis dit, on va en profiter pour poser la forge. Ah ah, ne t'en fais pas, le repos c'est important, il ne faut pas commencer ta semaine crevée. Bah, t'as tout dit en fait, c'est vraiment l'idée. C'est vraiment l'idée parce que si je force aujourd'hui, bah forcément je serai plus fatigué au live de demain. Je travaille aussi hein, à côté évidemment. Donc du coup c'est pareil, je vais accumuler de la fatigue et comme tu dis, ça peut être des lives de déprogrammer et je n'ai pas envie d'en arriver là. Tiens, ça s'est cassé, on va le réparer. Donc du coup, qu'est-ce que tu as prévu pour ta petite semaine, Minotox? C'est un programme? Je check juste ma petite salle des coffres parce que c'est vrai que on n'y était pas allé depuis un moment. Je me rappelle plus comment on ouvre les coffres. Ah oui, c'est que j'ai le marteau. Non, ça commence bien, on active le pouvoir d'Elkir alors qu'il n'y a aucune... Il n'y a aucun risque. Ah, je vous avais prévenu, hein, je suis claqué les gars. Alors, on avait ramené du minerai en bas, il me semble, avant la fin du dernier live. Alors, non, pas vraiment, je vais principalement me reposer et geeker. Ça, c'est un planning qui me plaît beaucoup. Ouais, se reposer, ça fait du bien. Ouais, surtout qu'aujourd'hui, de toute façon, en ce moment, on peut pas faire grand-chose. Donc, à la limite, geeker et se reposer, c'est encore les seules choses qui sont permises. Ou presque, j'exagère, bien sûr. Mais t'as bien raison. Au moins, c'est un planning sûr. T'es sûr qu'on viendra pas t'embêter avec ce plan. Et toi, quoi de prévu hormis le boulot? Bah, quelques petits lives, comme je disais, lundi soir, on va essayer de poursuivre plus profondément l'aventure Valheim. Mardi matin, si tout se passe bien, peut-être un peu d'Among Us. L'après-midi, je suis indisponible. Et ensuite, pour le reste de la semaine, on verra. Mais je vais bosser pas mal cette semaine. Mais il restera toujours de la place pour les streams. Alors, on a récupéré, ça c'est mignon d'ailleurs, un WC ici, les lingots de cuivre. Ne peut pas être téléporté.
J'avais pas fait attention à ça au dernier live. Si les lingots de cuivre ne peuvent pas être téléportés, ça veut sûrement dire que le reste, oui. Je comprends pas. Un petit verre de viking pour l'ambiance. Donc il doit y avoir un système de transport d'objets ou de téléportation du personnage. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire là-dedans? Super planning, n'hésite pas à déprogrammer des lives, il ne faut pas que ça devienne une contrainte. Oui, non, c'est sûr, après ça me fait envie hein, de vous retrouver. J'adore ma micro-communauté, c'est un grand plaisir de jouer avec vous. Et après, ouais, y a des fois où je pourrais hésiter à déprogrammer quand je suis trop fatigué. Mais voilà, à partir du moment où je vous fixe un rendez-vous, si je l'honore pas, c'est pas top, quoi. Je veux dire, qu'on parle de live ou qu'on parle d'une soirée entre amis, déprogrammer au dernier moment, c'est jamais très agréable. Même s'il est vrai qu'il faut savoir penser à soi et se reposer de temps en temps, c'est primordial. Mais non, ça ne deviendra pas une contrainte. C'est un plaisir, je veux que ça en reste un et on fera tout pour, pas de problème. T'en fais pas, Mino. À quoi on utilise le cuivre? Je crois que c'était directement dans la construction, hein, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Il faut qu'on construise la forge. Et pour ça, il nous faut du bois et de la pierre. Alors, du bois, on a ce qu'il faut. Et de la pierre, c'est pareil. Mais par contre, c'est un peu beaucoup pour lui. Est-ce que c'est suffisant, ça, en pierre? A priori, oui. On va laisser la poser. Alors, on avait un peu prévu sa place à la forge. Le seul truc, c'est que il faut probablement que ce soit en lien. Ah ben, j'ai l'impression que c'est ça. Faut que ce soit connecté à l'établi de là-haut. Mais j'ai l'impression que ça va l'être en fait. C'est quoi ce lien là? Parce que le lien, il a l'air de pointer là-haut. Et là-haut, c'est les coffres. Je sais pas si c'est les liens ou si c'est l'alignement, ça. Non, c'est l'alignement. C'est pas dit, en fait. Ouais, j'ai pas encore vraiment compris ce marquage-là, jaune. Je vois pas à quoi ça correspond. Parce que là, si je m'approche... Donc là, il le détecte toujours pas. Et si je me mets là... Il détecte toujours pas. Écoute, on va essayer de le poser là où on l'avait prévu. Et on va voir hein, si ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas, on avisera. J'espère juste qu'il lui faut pas... Ah si, peut-être que c'est ça alors, non ? Peut-être qu'il détecte le toit, parce que je crois que ce genre d'établi, il lui faut un toit au-dessus de la tête. Attends, est-ce que je peux avancer un... Est-ce que je peux mettre un sol? Ah tiens, ça aurait été mieux à ce niveau-là, d'ailleurs. C'est mieux à ce niveau-là. Est-ce que j'arrive à snapper le dernier? Ouais. Impeccable. Non, c'est pas ça. C'est ça. Alors, il y aura pas autre chose à poser. Hein. Tannage, forge, fonderie. Okay. Attends, j'étais parti pour ça, mon grand. Après, je m'occupe de toi. Bien joué.
On abîme la forge toute neuve, ça commence bien. Ça, on met du charbon. Ah, il lui en restait à faire. Alors, l'établi est trop exposé. C'est ce qui me faisait peur, c'est... Il est trop exposé. Donc, trop exposé au vent, trop exposé à l'extérieur, je sais pas trop. J'aimerais pas le voir à mettre à l'intérieur, parce que c'est assez petit à l'intérieur. Et après, toute la fonte des minerais se fait ici, quoi, donc c'est... ce serait plus logique de l'avoir devant. Je sais pas. Je sais pas, les gars, je sais pas. Si t'as une idée, t'hésites pas. Au fait, les points de chaîne via Streamlabs, ça marche comment? Alors... c'est des points qui sont attribués directement via un bot. Via le bot de Steam d'ailleurs, de Streamlabs pardon, bot de Steam, ça n'a rien à voir, et en fait tu les consultes et tu les obtiens en étant présent. J'ai mis les commandes dans la bio de la chaîne, et normalement si tu fais point d'interrogation, point d'exclamation, et que tu enchaînes avec un point, normalement ça te donne tes points. Par exemple, si je fais ça dans le chat, je sais pas si tu vas voir la commande, ça m'étonnerait. Voilà. Tu vois, j'ai obtenu 3 camarades. Yeah. Et du coup, tu peux les voir comme ça. Et je crois que si tu tapes top, voilà, ça te donne le classement en fait des points obtenus au cours du stream. Et après, il y a d'autres petites commandes que je vais rajouter au fur et à mesure, dont certaines sont déjà en place. Hein. Par exemple, je peux lancer des paris, je peux lancer des questions toutes simples, des sondages. Et en fonction de ta participation à ces éléments-là, tu gagnes plus ou moins de points. On essaiera de faire un test si c'est justifié dans l'aventure, bien sûr. Ok, je vois, c'est cool en vrai, ça marche comme les points de chaîne Twitch. Ouais, c'est légèrement similaire, sauf que t'as pas le compteur en temps réel en bas finalement. Mais en vrai, tant que je serai pas affilié, je pense que ce sera un bon dépannage. Je suis content que tu apprécies. Alors, l'établi est trop exposé, donc qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de changer un peu le dégât? Parce que j'aimerais vraiment pas avoir à l'enfermer, mais si on n'a pas le choix. Parce que genre, si je fais juste ça, ça va pas suffire. Ça suffit. Ok. Ah, c'est assez mignon en fait, faut juste qu'il soit un peu couvert. Et protégé. Et du coup, il a juste détecté cette palissade en plus et ça devient acceptable pour lui. C'est bien foutu, hein. En vrai, c'est bien foutu. Trop exposé à quoi? Bah justement, ouais, c'est la question que je me posais, mais je pense que c'est ça, hein. C'est que vu qu'on manipule un petit peu de chaleur, etc., bah, je présume qu'il faut pas que ce soit trop exposé au vent, aux intempéries. Et là, il considérait que c'était un peu trop ouvert. Du coup, tu vois, juste en rajoutant la palissade, ça passe. Donc pourquoi pas, hein. Excellent. Du coup, on peut se faire un couteau. Rien de plus. Il faut 8 cuivres. Je crois que j'en ai encore du cuivre. Alors par contre, c'est vrai que j'avais pas prévu que le trajet... Le trajet vers les coffres va peut-être être un peu pénible. Faudra faire un raccourci. Hein.
faudra faire un raccourci. Alors on va poser la pierre parce que c'est extrêmement lourd. Le bois aussi d'ailleurs. On va essayer de se charger un peu en minerai. Alors ça, ça passera pas. Ouais. Ça, ça va. Je peux peut-être même en prendre 3 plus. Yes. Oui, tu peux toujours faire une double entrée. Exactement, ouais. Je pense qu'on va essayer de se faire un petit raccourci tout simple. Tiens, mais c'est Jean-Michel Corbeau, là. Ah non, pas vraiment. J'ai des lézards ici. Ils venaient pas jusqu'ici. Il y a un bonhomme. Yeah. Est-ce qu'ils m'ont donné... Ouais, ils m'ont donné un peu de bouffe. Hop. C'est vrai qu'au dernier live, j'en avais beaucoup utilisé de la nourriture et j'en avais pas tant refait que ça. C'est vraiment un truc qu'il faut que je surveille. Parce qu'au bout d'un moment, on va se retrouver pas top. Je pense qu'on va faire ça. On va continuer de regarder un peu la forge. Il faudrait que je lance les autres minerais aussi. On va faire la deuxième entrée pour que ce soit pratique. Et puis se forger quelques armes et après ce sera pas mal, je pense. Alors par contre ça c'est gênant. Yes. Et évidemment, on prend feu, hein, sinon un live où on se met pas le feu, c'est pas un live authentifié. Hein. En vrai c'est hyper sensible, tu peux pas t'approcher du feu sans prendre des dégâts. Ah, évidemment j'ai posé le bois, je suis bête. Alors déjà. Ah oui, c'est vrai que c'est limité à 10. Et en vrai, en charbon, je vais vite en manquer. Hein. On fasse un peu de bois. Vraiment pas mal en tout cas. Ça augmente vachement les possibilités de crafting. On se fasse pas écraser, notre spécialité. Enfin, c'est notre spécialité après se prendre le feu au feu de camp. Ça on les gère bien. Tiens, c'est ça aussi. Alors, comme d'habitude, hein, j'ai essayé entre le dernier live et celui-ci de ne pas me spoiler en regardant trop de vidéos ou trop de lives sur le sujet. Par contre, j'ai aperçu un live qui avait... voilà. Qui avait barré ses objectifs. Et ça, en vrai, je trouve ça pas mal. Parce que ça, c'est un donjon qu'on a déjà fait. Celui-ci, on l'a fait aussi. Et celui-là, le dernier que j'ai marqué, lui on avait fui la scène parce qu'il y avait un troll et on avait plus de flèches, on avait plus rien, on pouvait plus le faire. Donc ça c'est pas mal de pouvoir émarquer les objectifs importants et en même temps de noter quand ils sont faits. Bah, alors je pourrais tout simplement les retirer, mais en vrai on va les laisser sur la map parce que ça peut être utile. Ok, alors on a un peu de bois, on va refaire du charbon. Ça va devenir une denrée vitale, le charbon. Alors, nouveau matériel, étain et bronze. Et j'ai pas vu le troisième. Étain et bronze. J'ai que de l'étain. Ah, peut-être que je vais pouvoir faire des alliages du coup, vu que... À mon avis, c'est ça. Four à charbon qui fait toujours un bruit de fond.
Là, est-ce que je peux... Est-ce que je peux crafter autre chose? Ah mais c'est ça. C'est ça, c'est ça. Du coup... Pour 10 de cuivre et 5 d'étain, on peut faire du bronze. Ok. Ouais, donc non seulement il y a un système de minerai, mais en plus il a l'air... Il a l'air assez abouti, hein. Ça part tellement vite le charbon. Moi j'en ai en cours en 17, ça devrait aller. J'ai pas de bois à transformer. Ok. Ça combien ça m'en donne? Et ça m'en donne 5. Ah ouais, je perds 10 de cuivre dans la transformation quand même. En vrai, c'est pas top. En vrai, c'est pas top. Je pense que je vais laisser tourner un peu parce que de toute façon, j'ai pas assez de ressources. On va essayer de réfléchir à la deuxième entrée. Je sais pas du tout comment on peut... Comment on peut rester propre? Ah si, peut-être si je la fais là. En vrai, il faudrait plus voir d'en haut. Alors, quand je suis en phase de construction, je pense jamais à manger. Je vois toujours qu'il est à l'agonie, c'est incroyable. Minotox, j'ai loupé une ou deux rediffs, donc je suis vraiment perdu. Ah ouais, tu m'étonnes, mon pauvre. Si t'en as raté deux, surtout, il y a pas mal de choses qui ont changé. Bah, notamment la dernière, où... je sais pas si tu as vu un peu sur la map, où j'ai commencé un peu à t'expliquer, mais... on a pu finalement trouver un deuxième donjon pour récupérer les cœurs de... de Sturkling, ou je sais plus comment ça s'appelle exactement. Et c'est ce qu'il nous fallait pour faire la forge. Donc ça c'était top. Sur le retour on a même trouvé un troisième qu'on n'a pas pu faire. Et surtout en plus on a pu améliorer un petit peu la base. Au moins de quoi ranger les coffres parce que ici je commençais à avoir trop de choses. Toi t'as dû t'arrêter là à mon avis. Il y avait beaucoup trop de choses dans cette simple petite pièce et c'était vraiment pas terrible. Alors la deuxième entrée... La deuxième entrée, si elle arrive là, ça peut être sympa en fait. Je pense qu'on va partir de ça. Et après, on va essayer de construire par le bas. Mais au moins, on sait où ça va atterrir. Je vais juste refaire un peu de bois parce que, évidemment, j'ai tout mis dans le four à charbon. Hop. On va peut-être en faire plusieurs ça après, hein. Si on veut que ça aille plus vite. On va sûrement y penser. Tiens, j'en avais oublié tout à l'heure, tiens. À dire vrai, je ne sais même plus où je me suis arrêté, mais bon, je vais essayer de suivre. Ah, tu vas voir, après, on avance vraiment doucement parce que... Je trouve qu'un jeu avec ce contenu-là, il faut savoir l'apprécier. Et on prend vraiment les choses de découvrir. Enfin, on prend le temps de découvrir les choses, pardon. On y va assez doucement. Donc en vrai, t'as rien raté. Hein. On vient tout juste de découvrir qu'on pouvait faire du minerai. Qu'est-ce que tu aurais pu oublier qui aurait pu être important? Tout dépend où tu t'es arrêté. Hein. Les donjons, ça a été une découverte folle. Enfin, déjà avec toutes les mécaniques incluses dans le jeu, je pensais pas du tout qu'il y avait en plus un petit système de donjons, de loot, etc. Enfin, c'est assez fou quoi. Et en plus du coup, le premier donjon nous a révélé voilà, l'emplacement du boss suivant. Donc on a trouvé des inscriptions dans le donjon et ça a révélé en fait la position de l'aîné. Mais
Je doute parce que l'aîné, c'était pas le nom que j'avais vu sur sur comment dire l'estelle au centre là. Donc je me demande si c'est pas genre le troisième ou quatrième boss qu'on a découvert. Dans tous les cas, dès qu'on se sera forgé des petites armures, un truc qui tient un peu la route, on ira faire un tour. On ira faire un tour, repérer les lieux et on verra tout ça. Alors par contre, oui, je suis très chargé alors que j'ai pas grand-chose. Eh ouais, parce que j'ai ça qui pèse très très lourd. J'ai quoi? J'ai 29 de bois. Alors. Déjà, on va consolider. Parce qu'il va falloir. Là, j'y suis ou j'y suis pas? J'y suis pas. Ah oui. Ça, c'est valide aussi. Ok. Ensuite, on va faire une petite plateforme comme ça. Et si je descends là, ouais, ça devrait pas être choquant. Je pense pas. Ah, quoique, ça va être 3. Ça va descendre un peu loin en fait. Ça va descendre un peu loin, il faudrait que je fasse. Après, je peux faire plus brut. Ah oui, mais c'est moisi ça, c'est quoi ça? Ouais, quoique si je les double, c'est pas moche. Oula, j'aime pas du tout. Ça va être assez désagréable. Minotox, tu penses que tu en es où dans la progression du jeu? Vers le début, proche de la fin? Du coup, facilement, je pense que si tu vois par rapport aux boss, qui sont. Alors non, ça représente que 4 stèles, mais je crois qu'il y en a 6. Donc du coup, je suis seulement au premier. Voilà, donc du coup, je dois être à quoi? À peu près 15% du jeu. C'est vraiment le début. C'est vraiment le début. Alors ça, j'étais pas satisfait. Est-ce que t'as une idée, Mino, pour ces escaliers? Ou est-ce qu'on se fait un palier genre comme ça? Avec un petit truc ici. Genre un décroché comme ça. Nope, je suis désolé, aucune idée. Bah écoute, ça me rassure. Au moins, on est pareil. Alors là, c'est consolidé, c'est consolidé. Bon, écoute, je pense qu'on va consolider ça. Hop. Ok. Je pensais pas que le jeu était si long que ça. En vrai, c'est bénef, carrément. Carrément, parce qu'en plus, là, on parle de la progression de l'histoire. Mais après, comme tous les jeux de survie, en vrai, la seule durée de vie, ça va être celle que ton imagination va lui donner. Parce qu'une fois que t'as fini l'histoire, tu peux totalement continuer de te taper un délire, faire de la construction, refaire certaines choses. Enfin, t'es pas limité, quoi. Hop. Alors là, je vois vraiment solide, mais je veux qu'ils tiennent ces escaliers. Et enfin, un petit décroché là. Il manque quelque chose, je sais, il manque du bois. Est-ce que je peux monter? Et non. Ouais, non, il est vraiment bluffant ce jeu.
J'avais abandonné du bois quelque part. Ah si, ça doit être là. Yes. Et on va juste finir celui-là. Mais il me reste de place. Je pourrais pas prendre plus. Hein. Ce petit brouillard sympa, on va essayer de dormir. Histoire de lever un peu le brouillard, et encore c'est pas dit. Est-ce qu'il sera toujours là au réveil? Oula! La forêt se réveille. What? What? Putain, on se fait attaquer. Non mais c'est hallucinant. Oh, mais attends, celui-là on le connaît pas. Hein. Non attends, on va prendre de la bouffe. Évidemment, j'ai plus d'endurance. Ça on l'avait vraiment pas prévu. Cours, 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 t'as plus d'endurance. Habituellement on arrive à les semer comme ça, mais alors là... En plus j'ai absolument pas le bon équipement de combat. Et ouais, on va essayer de les avoir. On va essayer de les brain un peu comme ça. La lance consomme énormément d'endurance. Je vais essayer de les promener un peu le temps de régène. Putain, par contre quand ils mangent, j'y perds un temps fou. Et un petit coup à lui. Ça, ça passe. Ensuite on s'échappe. Faut vraiment essayer de dégrossir un peu la masse. Excellent, ils ont même prévu un système de raid quoi, c'est ouf. Ok, ça, ça passe. J'ai l'impression qu'ils ont un soigneur, non? Il y en a certains qui étaient plus bas que ça, hein. Et j'ai pas d'endu. Bon, c'est un peu la technique du lâche, hein, mais... On a difficilement d'autres choix. Ah, lui, il a l'air vénère, le gros, là. Toi, il faut le finir. Jean-Michel Corbeau qui débarque au bon moment. Ok, ça va. En vrai, je m'en sors bien. C'est juste lui qui me fait très, 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 très mal. Tu vois là, si j'avais pu, j'aurais lancé un petit pari, est-ce que je vais survivre, tu vois. Le problème c'est que je peux pas faire les deux choses en même temps. Ah, il va me finir lui, hein. Il va me finir. Je peux pas manger pour régène en plus. Je vais être obligé de les brain comme ça. Hein. Ça s'appelle l'époque de The Forest, c'est exactement ça. On a ce même sentiment, on se fait attaquer chez soi, on n'est pas tranquille. Timing était un peu short, grave. Ah, et puis là, j'ai plus le droit à l'erreur. Celui aux yeux rouges, il me fait tellement mal. Ah, c'est ça, le chaman, il peut les ressusciter. Enfin, pas les ressusciter, mais les soigner. Ouais, faut vraiment que... Aïe, 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 le poison du chaman. Ok, j'ai pas évité. On n'a pas le choix. Je les ai passés. Et il est où le boss? On n'a pas eu le gros, c'est bizarre. On est toujours en vie. C'est plutôt une bonne nouvelle. Putain, je pensais vraiment pas m'en sortir. Alors attends, oui, parce que
Est-ce qu'ils ont attaqué la base? On s'en sort bien quand même, non? Ok, donc il y a un système de raid. C'est génial. C'est vraiment génial. Par contre, je sais pas où est passé le gros. J'aurais dû mourir. Je vais quand même dormir pour laisser le loulou se reposer. Eh oui, la nuit est passée. Merde. Mince, mince, mince. Ah ouais, c'est pas top ça. Alors, on va aller voir Jean-Michel parce que sinon, il va nous bouder comme la dernière fois. Les monstres assiégeront de temps en temps, de temps à autre votre camp. La puissance de vos armes ne vous assurera pas toujours la victoire. Établissez une défense solide pour encaisser l'attaque. Ah! Intéressant ce qu'il nous dit. Donc à mon avis, c'est qu'il doit y avoir des petites structures qui permettent de se défendre. Si c'est ça, c'est dingue. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'abîmé? Ça a pas trop mangé en fait, ça va. Hein. On s'en sort bien. Essayer de se finir ça. Hop. Et hop. Ça tient, c'est solide. Oui, ça touche le sol là, donc ça va. Ok, on a notre petit raccourci. C'est pas super opti, mais ça fait le taf. Tac. Impeccable. Alors, ça, je vais poser tout ça parce que j'ai pas mal de choses à ramasser aussi dehors du coup. Hop. Non, ça, faut que je les fasse. Hein. J'ai pas le choix. Hein. Tiens, eux, on va les poser temporairement ici parce qu'ils sont assez lourds. Les pierres aussi, je vais pas en avoir besoin dans la manœuvre. Et le bois non plus. Ces consoles-là, je peux les stocker. Celle-ci aussi. Je sais plus où on avait mis. Je sais plus où on avait mis les plumes. C'était là. Ok. On a oublié des choses dehors. Ils ont été généreux, ces petits monstres. Ah, ou alors, je suis en train de penser peut-être que le boss est parti, en fait, au moment où, où le jour s'est levé, en fait. C'est probable. Peut-être que le gros despawn au lever du jour. J'ai mis tellement de temps à organiser ma défense que c'était pas terrible. Quoi. Ok, ça c'est bon. Tiens, il y a longtemps qu'on n'a pas récupéré le miel. Oh, c'est parti là-haut ça. Ah ouais, tiens, c'est pas mal ça. Dès que je récolte la ruche, ça part directement dans les coffres, c'est pas mal. Alors pas dans les coffres-coffres, mais... Ok, alors, on restocke tout ça. Ça, j'en aurais pas besoin tout de suite. Ça non plus. Ça aussi, j'ai oublié ça. Le miel, c'est de la bouffe. Ça, c'est un trophée. C'est dommage, j'aurais bien aimé descendre le boss, voir ce qu'il lootait. Ça aurait été intéressant. Alors du coup les défenses,
C'est quoi les défenses? Ah, c'est ça les défenses? Non. Ouais, si, c'est juste pour les retarder, ça. Non. Non, rien de plus. Alors, on va recharger le loulou. En vrai, j'aimerais bien faire les premiers lingots de... C'est quoi, c'est bronze? C'est bon. Minotox, t'en fais pas la prochaine fois. Exactement, je l'aurai la prochaine fois maintenant que je sais déjà que ça peut arriver. Parce que là, c'était la vraie surprise. Hein. Je savais pas qu'en dormant, ça pouvait déclencher un raid. Tu n'étais pas prêt à cause de l'effet de surprise. Exactement. Là, je... À dire vrai, j'ai pris la lance, mais vraiment par défaut. Normalement, je suis plutôt bâton et bouclier, tu vois. Donc, j'étais pas prêt à me battre comme ça. Ça me fait penser qu'il faudrait que je refasse des flèches aussi. Une flèche, j'en aurais toujours besoin. On va manger, pas se faire surprendre. Et heureusement que j'avais mangé d'ailleurs. J'avais dit quelques minutes plus tôt que quand j'étais en mode construction, je pensais pas du tout à manger. Si je l'avais pas fait, je pense que j'aurais été très très mal. Ça, est-ce que je peux le manger? Je suis déjà rassasié, ok. Petite sauvegarde. Faudrait que je trouve un truc sympa là. Plus de bois. Je l'ai posé. Est-ce que ça passe? Ouais non, ça se snap en dessous. Ah ouais, mais si je le mets là. Ouais non, ça fait bizarre. Ah, quoique, ça fait bizarre. Mais attends. Si je fais ça. Ouais, c'est original, je trouve. Après, à la limite, tu me diras où t'enfermer. T'enfermer complètement. Mais bon, ça fait un style. Et le dernier. J'adore la souplesse de création dans le craft, je trouve ça vraiment génial. Juste tous ces petits éléments là, ça te permet de faire tellement de choses. C'est tellement intelligent d'en faire ça. J'adore. Alors, attends, j'ai pas tout posé. Ah non, pardon, c'est en sens inverse. Parce que là j'ai 5 de cuivre, il m'en faut 10 en fait. C'est du cuivre que je dois récupérer. Ça, ok. Vous n'avez rien à transformer. Je suis bête. J'avais prévenu que j'étais fatigué pour ce live. Je veux faire les minerais, je les laisse dans le coffre. Ça, on va refaire du charbon. Hop. J'aurais pas besoin de ça.
On va aller se miner un peu de cuivre. On avait repéré un dépôt qui était pas trop loin. On va faire un petit saut. Alors je vais me remettre en mode comme ça et comme ça. Et surtout on va se faire des flèches. Et oui. Pas se retrouver sans rien comme la dernière fois. On répare tout. On fait des flèches. Vraiment pas mal. Ça je vais les garder. Hop. On charge ça. Ce sera prêt au tour. Ça c'est pas mal. C'est parti. Je crois que le dépôt était... C'est celui-là. Hein. D'ailleurs, est-ce que je ferais pas bien de poser un maximum? Ça, combien ça pèse? 1,5. 1, 2 et 1,5. Ouais, en gros, ça pèse rien ça. À la limite, j'ai même plus lourd de flèches que de reste. Ça va le faire. Et en tout cas, pas mal, hein, ce système de gestion des minerais, c'est vraiment intelligent. En fait, c'est ça qui me surprend vraiment dans ce jeu, c'est que... Ils ont pensé à tous les détails qui font vibrer un joueur de jeu de survie. Que ce soit pour l'aspect construction, l'aspect leveling, même si c'est que par compétence et par type de travail, mais ça c'est bien pensé aussi. On retrouve un peu le fonctionnement des Elder Scrolls, etc. Ils ont pensé aux donjons, ils ont pensé aux raids, visiblement à la défense des bases. Enfin, je me demande ce à quoi ils n'ont pas pensé en fait. C'est ça qui me surprend. Alors lui... Lui on sait le gérer. Alors Minotox, yep, en vrai, de vrai, le jeu est super bien fait. Ouais, c'est ça. Il est super intelligent. Et je parle pas de l'aspect graphique qui est faussement pixelisé, tu vois. Parce que t'as l'impression que c'est un jeu qui est un peu bateau au niveau de ses détails. Et en fait, quand tu regardes le ciel ou... Oh, c'est pas le bon exemple, mais... Je veux dire, tu comprends qu'il y a quand même une vraie recherche graphique. Les sons du jeu sont magnifiques. Et derrière, tout le gameplay est super bien pensé. J'adore. Je pensais pas autant me régaler sur ce jeu. En fait. Hop, on est plus très loin. On va se remplir les poches. Et on essaie de faire nos petits lingots de bronze. Juste la curiosité de voir ce que ça va débloquer. Oh tiens, ça on peut prendre, j'en ai pas beaucoup. J'espère juste qu'on va pas tomber sur un troll. Ce serait ballot. Je me demande si ta base peut se faire raid pendant que tu n'es pas là. Un peu à la The Forest. Ah, revenir et voir sa base détruite, c'était un plaisir. C'était pas vraiment, vraiment un plaisir. Pour y avoir joué un petit peu, c'était même un peu, comment dire, c'était trop punitif pour apprécier le truc. Moi qui aime bien justement construire ma base, etc. Et surtout quand j'avance dans le jeu, après je reviens et je la peaufine un petit peu. Dans The Forest, je m'étais amusé à faire des trucs sympas. Mais comme tu dis, voir sa base se faire détruire, ravager,
par un mob que tu n'avais pas vu et qui était en train de tout pilonner. Je crois qu'il n'y a rien de plus frustrant, en fait. Je pense pas hein, qu'ils aient pensé à ça. Parce que souvent, si tu regardes, disons, y a un côté punitif dans ce jeu, mais pas trop. Tu vois, c'est... ils ont pensé au plaisir du joueur. Comme quand tu meurs, tu vois, tu perds un petit peu de level, mais tu récupères tous tes objets et en bon état. Donc tu vois, c'est, il y a du pour, il y a du contre dans chaque axe de gameplay, c'est ça que j'aime bien. Allez, on est plus loin du gisement. Yep, j'ai lâché pas mal de F4 à cause de ça, tu m'étonnes. Ah ouais, non, ça, y a rien de plus rageant. Après, il est très sympa, hein. L'ambiance de The Forest est sympa. Y a pas photo. Mais tu peux difficilement le jouer en solo. Quoi. En solo, t'apprécies pas. Tu dois courir après tout. T'es en stress quasi permanent. C'est très difficile. Alors vous, je vais vous demander de partir parce que vous êtes sur le gisement. Et on l'a pas vu venir. On l'a perçu. Mais on vient de se bouffer un troll. Ok. Les trolls, en vrai, on sait les gérer normalement. Mais à condition de savoir courir. Voilà. Donc je sais pas si t'as remarqué, mais là c'était le gisement de, de cuivre qu'on est censé faire. Ah pétard. On va y retourner. On va pas se laisser démoraliser. Ah pétard, j'espère juste qu'il va pas me re-shoot instant. Haha, j'ai bien aimé le normalement. Ouais, normalement, on arrivait à y échapper assez facilement. Je t'invite à voir la rediff si tu me crois pas. On l'a fait poireauter pendant un bon moment. Malgré la gestion de l'endurance assez difficile. Mais on avait fini par l'avoir. Là, c'est un peu moins sûr. On va voir ça. Faudrait juste que je sois pas trop harcelé sur la route. On va essayer de rush le cadavre. Et de repartir direct. Ça va. Tiens, attends, au pire. Ça bouge ou pas? Oui, mais ça, normalement, au point, ça passe. Ah, mais j'ai perdu en compétence, en fait. Est-ce qu'on perd beaucoup? Je me rappelle plus. C'est pas ça, c'est ça. On perd quand même un peu, j'ai l'impression. Oui, évidemment. Ok. Évidemment. Tiens, d'ailleurs, on va faire un petit test. Un petit sondage. Est-ce que ça fonctionne? Yeah. C'est pas un sondage, pardon. C'est un pari. C'est-à-dire que tu peux parier des points et... que tu as accumulé en regardant le live et parier sur ma victoire ou sur ma défaite. Ne me dis pas que tu vas tout parier, Minotox. Ok. Ton pari a été pris en compte. Excellent, ça marche bien. Alors c'est gentil de parier sur ma victoire, j'espère que tu vas pas que tu vas pas tout perdre. Ok. Donc ça va se faire en deux étapes. Hein. La première, ça va être on se loot, on fuit. On s'écarte, on se rééquipe et ensuite on y retourne vraiment. Je compte sur toi. Ah ouais, là t'as parié tous tes points, je peux pas te décevoir. Hein.
Je ne peux plus te décevoir. Je sais pas s'il est resté dans le secteur ou genre est-ce qu'il a campé mon corps. Et je l'ai vraiment pas vu approcher hein, tout à l'heure. C'était vraiment. L'endurance, c'est tellement une plaie dans ce jeu. C'est tellement une plaie. Alors, là je le vois pas. J'ai l'impression que ça devrait le faire. Objet récupéré. Ok. On s'échappe. Et on va se reloot. Ok. Voilà, ça c'est pas mal. Au moins on récupère tout. On a nos armes. On a nos armures. Donc oui, j'ai perdu en compétence, mais voilà, je trouve qu'il y a plus, il y a plus punitif comme jeu. Et maintenant, il est temps de te faire honneur, Minotox. À condition qu'on le retrouve, hein, parce que s'il faut... S'il faut, c'est pas dit. Je l'ai entendu, je crois. Ah, regarde-moi ce petit coquinou. Allez, on peut plus faire demi-tour. Par contre, mon endurance... Eh oui, par contre, ouais. Tu vois, j'ai pas pensé à bouffer encore. Ça, c'est vraiment une erreur. C'est l'erreur de débutant, quoi, putain. Elle est tellement discrète en même temps cette barre de nourriture. Là je m'en suis juste aperçu parce que j'avais plus d'endurance quoi. Et vu que c'est la bouffe qui te donne aussi ton endurance. Ok. Les flèches lui font mal. Faut faire gaffe aux petits. Les petits loups. Hein. C'est ça, quand il me rush comme ça, il faut vraiment que je garde une petite réserve d'endurance. Ok, dans l'épaule. Là, on garde de l'endurance. Pour, voilà, rusher. Faut vraiment que je me débarrasse des petits aussi, je pense. Oui, j'y ai cru aussi. Hein. L'endurance. Ouh. Ah ouais, là tu vois, j'avais pas cette réserve qui me permet de sauter. C'est fatal. C'est vraiment fatal. Minotox, tes pauvres points. Je prie pour toi, camarade. On va essayer de se focus sur le troll. C'est quand même le plus dangereux dans l'histoire. Même si eux, là, c'est eux avec leurs petites embuscades, là. Et celle-là, clairement, c'était dangereux. On a fait quoi? On a fait la moitié et on regagne très peu de vie aussi, c'est ça qui me rend fou. On va en profiter pour se débarrasser un peu d'eux là. Et il a de bons PV aussi l'autre. Hein. Il m'ignore un peu lui.
lui, on l'a bien avancé. Aïe, aïe, aïe. Ah tiens, on a trouvé un nouveau matériau. J'ai pas le droit de m'en prendre un seul. Aïe, bon ça c'est des dégâts de chute. J'ai plus d'endurance. C'est fatal. Aïe, 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 aïe. Le combo plus d'endurance. C'est pas bon. C'est vraiment pas bon. Mino, je suis tellement désolé. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que tu m'en veux, Minotox? Putain, on était pas mal, hein, mais je me serais pas fait harceler par tous ces petits trucs autour, là. Ce qu'il y a aussi, c'est que ton endurance a tendance à se faire aspirer d'un coup, tu comprends pas, quoi. Tu fais un pas de côté, tu lances une flèche, et ça y est, t'as plus d'endurance. Oh, je pense que t'auras de quoi en récupérer. Surtout si je rattrape le retard des streams, à mon avis, tu n'es pas en manque de points. Mais c'est bien, au moins ça nous a permis de tester un peu le truc. Combien il t'en reste là, Mino? Normalement plus grand chose. T'en as plus qu'un. C'est mieux que rien, c'est mieux que rien. Exactement. Après, honnêtement, ça serait faire de t'en redonner. Ça serait faire de t'en redonner, sachant que... Sachant que t'étais là avant. T'étais là depuis un petit moment. Le problème, c'est que je me rappelle plus comment je t'en donne. Je trouverais ça. Là, par contre, juste pour le test et pour ceux qui sont là à l'inauguration, je vais pouvoir vous en donner un petit peu chacun. Tu peux refaire le test. Ah. Ça n'a pas l'air d'être passé. Pourtant, j'ai envoyé un truc. C'est vraiment le stream du test, là. Un petit peu de tout. Hein. Mais en vrai, je trouve ça pas mal, tu vois. Moi, c'est ça qui m'intéresse dans le fait de faire du live. C'est cette interaction qu'on peut avoir ensemble. Je trouve ça... Je trouve ça assez fou. Déjà d'avoir des viewers qui donnent des conseils, je trouve ça, ça change ta façon de jouer. Et en plus, si on peut interagir comme ça, c'est canon. C'est vraiment canon. Par contre, ça n'a pas marché du tout, ce que j'ai fait. C'est dommage. Ah si, il faut que je fasse ça. Ah là, ça passe. J'ai remboursé la dette des lives précédents.
Ok. On récupère les objets. On va se rééquiper vite fait sur place. On va manger. Il devrait pas être loin. Oh, pour cette deuxième tentative. Est-ce qu'on se refait un petit pari? Alors. Il est où le loulou là? Est-ce qu'il va avoir regagné sa vie aussi, le pépère? Alors en vrai, ce serait légitime hein, qu'il ait regagné sa vie, mais j'avoue que... Ah, il est là-haut. Est-ce que j'ose faire tapis? C'est à toi de voir, Minotox. C'est à toi de voir. Sachant que ça, attention, hein, c'est les points que tu as accumulés sur les lives précédents. Donc du coup... Ah ouais, ah t'es comme ça. Allez, on est joueur. Si tu gagnes, c'est x2, hein, tu me diras. Ça peut être assez bénéfique. Allez, on est parti. Le vote se finit dans 50 secondes. Au cas où. Et là, c'est assez facile, là, tu vois. C'est assez facile, honnêtement. Si on perd, je comprends pas. Là, c'est un pari gratuit, là. On va en profiter. On n'a pas les petites merdes autour. Je crois en toi, je veux pas perdre. Ah non, là t'imagines, c'était point de 6 ou 7 lives de présence. Ce serait dommage. Par contre, si c'est win, c'est bien joué. Pareil, clôturé. T'es le seul à tapis. Et on n'a plus d'endurance. En vrai, ça pourrait mal se passer. Aïe, aïe, aïe. Une seule de ces trucs peut me mettre tellement mal. J'aimerais bien me débarrasser d'une ingrie aussi. Que je me fasse bloquer. Oh, comment jeter dessus. Allez, on va focus le gros quand même, c'est un peu notre objectif. Et c'est le seul à pouvoir nous one shot. Et voilà, c'est beau ça. Alors attention, hein, je peux toujours mourir sur cela. Hein. Tu le sens ou pas? Et l'endurance, toujours un défaut. Ça, je récupère. Oui, c'est le plus dangereux. Et c'est win. C'est beau, ça. GG Mino. C'est beau ça. C'est pas mal hein, ce principe de pari. Par contre t'as pas fait un x2 tu vois. Ça me paraît bizarre. T'en fais pas, je m'en souviendrai. Faut que je regarde dans les paramètres. Les paramètres du pari, parce que je crois que potentiellement ce que tu peux gagner augmente en fonction du nombre de parieurs, évidemment. Et là, vu que tu étais tout seul, je pense que c'est pour ça que la cote était pas super bonne, tu vois ce que je veux dire. Mais je regarderai tout ça, on va affiner et on verra ça. En tout cas, tu as quand même gagné 50 points. Et
je regarderai. Bon, on était venu faire du cuivre à la base. On était venu faire du cuir. Yep, on a le temps pour voir tout ça. En tout cas, merci d'avoir participé. C'est bien, ça me permet de voir un peu ce que ça donne en live. Et c'est assez sympa. Et en vrai, c'est que le début parce que t'as pas mal de choses comme ça. Donc il faut un petit peu peaufiner. Mais c'est top, quoi. Ça crée une interaction vraiment sympa. Et alors, on va essayer de se remplir les poches. C'était le but. Endurance, toujours endurance. Est-ce que je peux pas manger deux types de viande? On va manger ça. Ça. Pas de soucis. Ah, c'est pas mal. Par contre, je m'attendais vraiment à ce que tu fasses x2, tu vois, je suis un peu surpris. Mais en vrai, ça se tient vu que t'étais le seul dans les paris. Ouais, je regarde. Je t'ai entendu, mais je t'ai pas pris au sérieux, toi. Ok. Oh là là. Il faut vraiment que je prenne plus d'endurance. Je sais pas comment l'augmenter. Je me rééquipe, je gagne de l'endurance. Ah si, mais si, c'est juste la bouffe en fait. Oui, c'est ça. Mais c'est qu'il doit y avoir des aliments qui donnent plus de nourriture que d'autres. Plus de nourriture. Plus d'endurance que d'autres, c'est ça en fait. Taille de ce gisement. Et là, on en a récupéré que. Ah oui, c'est ok. Alors autant le gisement est gros, mais c'est vrai que sur un rocher de cette taille, on récupère qu'un fragment. C'est pas fou. En vrai. Je vais peut-être casser la pioche avant d'avoir ce qu'il nous faut. En vrai. Parce que là, je crois qu'il m'en manquait pas grand chose. Eh ben. 6. Et on est à 278 livres. On peut en prendre un de plus, je crois. Alors avec le cuir de troll, on va aussi pouvoir se faire une autre pièce d'armure. Ouais, 5, je vais pouvoir refaire une pièce d'armure. Et voilà. Ça, je peux pas la prendre. En même temps, la pierre, j'en ai pas besoin. Du moins, pas ici. Repose-toi, promis, je t'embête plus. Ah, quoique. On a fini la pioche. Bon, on va récupérer un peu de pierre par défaut. Voilà, ça ira. Ok.
allons faire ce cuivre. Je suis assez impatient de voir ce que ça va débloquer derrière. Je me demande... Parce qu'il parlait, dernier live, on avait trouvé une stèle. Une stèle, ouais, c'est ça. Qui nous conseillait d'être au moins armé d'une épée pour faire le boss suivant. Et pour le moment, j'ai toujours pas vu d'épée à crafter. Donc, peut-être que ça va se décanter avec le cuir, mais... Ça, je peux le prendre. Ouais, ça, c'est bon. Alors, la base. Tout droit. Eh mince, je les vois toujours trop tard. Ah tiens, ça faisait longtemps qu'on avait pas vu trois cochons. Ah ça c'est pareil, je pense que prochain live je me ferai aussi une session un peu farm parce que des bouts de cuivre il m'en manque vraiment pas mal pour débloquer certaines améliorations. Et c'est tellement dur à trouver, les facochères là, enfin les sangliers, ils se planquent un peu partout et c'est pas évident à farmer. Et ils te donnent un pauvre bout de cuir à chaque fois que t'en tues un, c'est un peu pénible. Je pense qu'on... On sera obligé d'y passer. On est toujours sur la bonne route. Ça par contre on n'en manque pas, hein, des bouts de résine là qui nous donnent. Ça bientôt je sais plus où les mettre. Alors tu m'as fait peur avec ton histoire mais la base n'a pas été attaquée. Ouf. Ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors, qu'est-ce que ça a produit ici? Ok. Là-haut, il en reste 6. J'imagine qu'il est full. Ah non. Là, j'avoue que ça pourrait être assez décevant. Si la base se fait raide à chaque fois qu'on s'éloigne un petit peu, c'est vraiment pas top. Alors, le charbon. Le charbon, on s'est mis pas trop mal. Ouais, juste qu'ils me finissent ceux-là, que je puisse lancer derrière le cuivre. Qu'on puisse ensuite faire le bronze. Alors, en attendant... J'aime bien cet accès, il est pas mal. Il est pas mal. En attendant, on peut faire une pièce d'armure. Qu'est-ce qu'il me manque pour ça? Il me faut des os pour faire la capuche. Celle-ci, elle me protège à 2. Non, ouais, si. Armure 2. Celle-ci à 6. Celle-ci, armure 1, armure 1. Ouais, donc il n'y a pas de différence entre ces deux-là. Donc à la limite, la cape, on peut faire celle en peau de serre, c'est pas gênant. Et là, du coup, est-ce qu'on fait le pantalon ou est-ce qu'on fait le casque? Le casque, celui-là, j'aime bien, hein. Allez, on va rester simple, on va faire le pantalon. Hop. Yes. Et on va s'en équiper tout de suite.
impeccable. Formidable. On dirait un Power Rangers. Il a mis son pyjama. Il est prêt à aller au lit. Ça, on va tester. Je sais toujours pas si ça dispone ou pas. Donc je vais volontairement le laisser là parce que... Clairement, c'est des objets dont on n'aura plus besoin. Vu que les... Tout ce qui est armure ou outils ne casse pas vraiment. Et en plus, il se répare gratuitement. Enfin, gratuitement. Il faut être sur un établi, mais ça se répare gratuitement. Donc, je vais pas stocker ces objets qui ne me serviront plus. Quoi. Ça, on prend... Ah oui, non, c'est lourd. Ça. C'est lourd, c'est lourd. J'ai 5 d'étain. Combien il m'en falloir 5 d'étain. À la limite, les 5 qui vont rester là. Ceux-là, je vais les stocker. Voilà. Je vais changer ma strat. Parce qu'en vrai, je pense qu'il va nous falloir un coffre quand même ici. Hein. Sinon, ça va être assez pénible, je pense, de faire les allers-retours. Alors, c'est dans les meubles. Yes. Est-ce qu'il tient ici? Bon, on va laisser. Hop. Voilà. En fait, les lingots transformés, ce sera ici. Et... peut lancer. Est-ce qu'on peut lancer les autres? Yes. Charbon, c'est pas top. Et j'ai du bois. Bon, pas mal en tout cas ce système de forge. J'aime bien l'idée. J'aime bien l'idée. Ils auraient pu juste se contenter, tu vois, de... Comment dire, de mettre un gisement de cuivre, un gisement d'étain, un gisement de bronze, etc. etc. comme la plupart des jeux de survie. Mais non, parce que le bronze est un alliage, et donc du coup ils ont pensé à inclure ce système un peu de transformation, de mixer deux minéraux, enfin deux lingots du moins, pour en obtenir un autre. Et ça, je trouve ça juste pas mal qu'ils y aient pensé. Alors, c'est sûr, du coup ça complexifie un peu la chose, mais... Mais c'est assez intelligent. Le bois. J'en aurais plus besoin. Ah, on a récupéré ça aussi. Plantez-le pour faire pousser un sapin. Je sais toujours pas planter, c'est ça le truc. Je sais toujours pas comment planter quelque chose. Minotox, yep, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Le jeu est vraiment bien fait, exactement. C'est... ils ont pensé aux détails. Je pense qu'ils étaient... Les équipes qui ont bossé sur ce jeu, ils ont dû bouffer du jeu de survie. Quoi. À mon avis, c'est d'anciens joueurs qui savent ce que font le succès d'un jeu de survie et ils ont tout mis dedans. Et ils l'ont fait intelligemment. Quoi. Donc ça, franchement, GG. La pierre, on stocke. La bouffe, tiens, ça me fait penser. On n'a toujours pas mangé. Hop, les pièces. Ouais, j'ai mis ça. Ça, on va leur descendre. Ça, il faudra que je change. On trouvera autre chose à mettre. Mais on va laisser tout ce qui est minerai et lingots en bas. Je pense que ce sera plus facile. Tu vois, ça c'est tous les objets dont j'arrive pas à me débarrasser. Quoi. Ok, le cuivre. Le cuir, pardon. C'est ici. Tiens, on va se faire. On va se faire la cape aussi. On va se faire. Hop.
Elle est où? Elle est là. Ah oui. Oui, oui, oui. C'est ça qui nous manquait. Là, déjà, ça donne une carrure qui est un peu différente. Quoi. Ça fait moins pyjama. J'aime beaucoup. Alors, par contre, on va reposer ça parce que ça fait son petit poids quand même. J'avais d'autres graines. Je les ai mis, les graines. Tout ce qui est graines. Ah ouais, si, j'avais mis ça là. Hop. D'ailleurs, si quelqu'un sait comment se passe l'agriculture, je suis preneur. Peut-être que je ne l'ai pas encore débloqué, tout simplement. Peut-être qu'il y a, un outil qui nécessite certains matériaux pour être fait. Mais pour le moment, j'ai rien vu qui ressemblait à ça, en tout cas. Alors, on recharge la bête. On ramasse ça. Et on va pouvoir le faire. Hein. On va pouvoir le faire. Il faut garder 5 d'étain. Ah non, il m'en manque un ici. Il m'en manque un. Yes. Le charbon. Alors. Instant de vérité. Donc c'est assez coûteux quand même. Mais du coup ça devrait débloquer des crafts sympas. Cuirasse, jambière, flèche, hache. Ouh. Ouh. Ah oui. Ah oui, oui. Ah, on a débloqué pas mal de choses en fait. En fait, le bronze, c'est vraiment la base de tous les trucs un peu en fer qu'on va pouvoir faire, j'ai l'impression. Ça, c'est quoi? Ça, c'est une lance améliorée. J'ai l'impression. Massue, bouclier. Ah non, c'est ça la lance améliorée. Donc ça, c'est quoi? Durabilité. C'est un peu plus résistant. C'est plus perforant aussi. C'est plus cher. C'est une bonne parade. Ça a l'air vraiment sympa celui-là. La petite hache de bronze. Les flèches de bronze. Un lingot à chaque fois, ça coûte cher. Hein. Là, ici, les jambières, ok. Le casque, je vais faire tout ça. Tour massue. Et la fameuse épée, c'est ça qu'on doit faire. Ok, ok. Alors. Ça. Bon, ça, je vais vous garder. Je pense qu'on aura besoin. Ça, on peut aller relancer. Ah, c'est pas évident de faire 5 lingots de bronze. Bon, après, comme je disais, vu que une fois que t'as crafté un outil ou une armure, tu peux considérer que tu l'as quasiment à vie. Hein, parce que elle casse pas, ça répare facilement. Et tu peux la relooter sur ton corps si tu venais à mourir. Donc c'est vrai que ça va être un peu long de faire tout, mais une fois qu'on les aura, on sera plutôt tranquille. Alors ici, il n'y a rien de plus. Je crois pas. Ouais, même les améliorations, ça va se passer là-haut. On pourrait faire autre chose. Avec les structures. Ah si, il y a du nouveau, j'ai l'impression. Non, lui on le connaît.
enclume, forge, amélioration. Ok. Ah ouais, c'est... D'accord. En fait, la forge, c'est une sorte d'établi amélioré. Et ça, je pense que du coup, c'est une sorte de... Une sorte de bio amélioré. Donc c'est l'upgrade de ça, je pense. Et du coup, l'upgrade, on n'y est pas du tout. On pourrait la faire, mais est-ce que c'est intelligent de la faire maintenant alors que... On n'a déjà pas tout ce qui est de base. Je sais pas. Je pense qu'on verra ça au prochain live pour l'utilisation du bronze. Déjà on a pu faire le premier lingot. Par contre on peut peut-être faire le casque quand même. Ça le casque, ça me paraît essentiel. Ou pas en fait. Ça va être l'épée en fait notre priorité. Parce que là niveau défense on n'est pas trop mal. Et le casque juste pour gagner. Ouais, c'est vrai qu'il est pas top non plus. Ouais, je sais pas. Désolé. Notre casque est pas top, mais en même temps on peut le faire en armure de troll, donc enfin en peau de troll. Donc peut-être qu'on va partir sur l'épée en priorité et le reste suivra. Par contre, ah tiens, attends, bronze. Ah oui, tu peux quand même faire au détail. Ça c'est bien. Je suis pas obligé de les faire 5 par 5. Donc hop. On s'en refait en plus. Si, lingot de bronze, c'est pas mal. Pour des débuts de forge, c'est vraiment pas mal. Qu'est-ce que j'oublie qu'on avait dit qu'on regarderait ? Oh, c'est bon, hein. On va manger. On va réparer le matos. Et je pense que je vais vous laisser là. Comme promis, malheureusement, ce live n'était pas vraiment prévu. Et je suis vraiment fatigué. Et vu qu'on relive demain, demain même heure d'ailleurs, hein, ce sera 22h30, 23h je pense. Là on pourra live un petit peu plus longtemps parce que j'espère je serai en forme et surtout je travaillerai pas le lendemain, donc on pourra faire un peu plus. On a réparé, on est bon. Yes. Minotox, pas de soucis camarade, il faut que tu te reposes. Merci beaucoup pour ta compréhension, c'est gentil. Ouais, je pense que c'est intelligent d'arrêter là. Parce que sinon, comme on disait tout à l'heure, je vais prendre du retard. Je vais fatiguer pour la semaine, c'est pas terrible, terrible. Donc on va reprendre un petit peu de force. Merci en tout cas à ceux qui ont suivi ce live. À ceux qui sont passés voir un petit peu ce que ça donnait. Toujours de belles découvertes hein, sur ce jeu, on s'en lasse pas. Il ne cesse de nous surprendre et j'ai l'impression de dire ça à chaque live, mais en même temps, je dis ça à chaque live parce que c'est vrai. Là, c'est le coup des raids, je trouve ça fantastique d'avoir pensé à ce petit détail-là. J'ai hâte de voir s'il y a des systèmes de défense un petit peu à la The Forest, effectivement. Ça pourrait être un plus. Après, du coup, ça en fait un jeu tellement vaste qu'on sait plus quoi en faire. Mais en tout cas, voilà, un vrai régal de venir passer cette petite heure et demie avec vous sur ce jeu. Minotox, yep, c'est assez surprenant, c'est plus que surprenant. Ils ont pensé à tout, et à chaque fois que je me dis, ah tiens, dans un jeu de survie, j'aimais bien faire ça, et ben en fait, ils l'ont mis.
Et ça je trouve ça top. On reprend un gigot pour le petit personnage et je vais vous laisser là. Merci encore de m'avoir suivi. Merci à ceux qui regarderont la rediff. Merci pour votre soutien, tout simplement, en fait, ça fait super plaisir. Merci beaucoup. Je vais juste regarder. Alors, on est deux spectateurs, vous allez trouver ça ridicule. Mais j'ai un petit succès si je lance un raid. Juste le fait de lancer. Donc je vois qu'il y a... Il y a Terracid qui est sur Valheim. Donc je vais vous envoyer vers chez lui. Ça coûte rien et si ça peut me débloquer mon succès, parce que n'oublions pas que l'objectif, ça va être l'objectif affilié, juste pour pouvoir débloquer les badges, vous récompenser, avoir toutes ces interactions. Un petit peu comme on a testé en fait ensemble durant ce live. Et moi en fait c'est mon objectif. Je veux pas nécessairement percer, je veux pas nécessairement une grosse communauté, mais juste avoir quelques petits joueurs comme vous, quelques viewers comme vous, avec cette fidélité, cette patience, ces conseils, cette bienveillance, moi c'est ce qui m'intéresse et en gros l'objectif affilié c'est vraiment ce qui va me permettre de vous récompenser pour tout ça et en même temps de vous rendre un peu les lives plus agréables. Donc on va essayer de débloquer tous ces petits succès un par un. Mais bon bref, tout ça pour dire, le raid est une de ses objectifs. Donc je vais vous envoyer voir Monsieur Terracid. Merci encore, belle soirée à vous. Minotox passe de bonnes vacances, même si on se revoit très vite, je l'espère. Et je vous dis à très bientôt. A plus les gars.